Dans la grande distribution, on arrive toujours à l'heure et si on est vraiment en retard, on se fait sanctionner directement. Du coup, on est vraiment habitué à être très ponctuel et c'est ce qui fait de nous, du coup, des bons travailleurs. On est assidu, on est assez rigoureux dans tout ce qu'on essaie de faire. Ça va de la ponctualité, mais aussi... Bonjour. Bonjour. À la politesse. Je sais pas si ça passera. Allez, on est parti. Vachement important dans la mise en rayon, c'est vraiment l'esthétisme qu'on va chercher à faire acheter le client, lui donner envie. Donc si les choses sont mal présentées, le client va pas venir les chercher, alors que si on essaye que tout soit bien aligné, tout soit bien superposé, là tout de suite on va, comment dire, attirer l'œil du client par exemple. Voilà, hop, comme ça là. Tout de suite on a envie d'acheter un peu plus de ruban. Quand on regarde les sucres ajoutés, bah voilà, on a un peu plus envie d'en acheter. Bonjour Béatrice, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour. Fatiguée, c'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine. Mmh. Alors là, on est dans le rayon. Déjeuner, t'es déjà. Là, on voit un rayon qui est plutôt nickel, on va dire, avant qu'il y ait tout qui est mis. Qu'est-ce que c'est d'un rayon bien entretenu ? Ça demande quoi ? Il faut que ça soit propre. Moi, en tant que cliente, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit présentable et puis bien plein. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, faire de la mise en rayon, c'est quand même pas facile tous les jours physiquement. Les horaires, c'est quoi à peu près ? Pour ceux qui ont les horaires fixes, c'est très bonne heure. Hein. Et moi, je préfère venir encore plus de bonne heure parce qu'il y a beaucoup trop de boulot. C'est beaucoup d'investissement. Donc c'est 5h du matin pour ceux qui peuvent le faire. Hein. Salut David, excuse-moi de te déranger. Non, tu te déranges pas. Tu sais que j'ai travaillé dans ton rayon pendant que tu étais malade. Et je ne vous cache pas, le rayon, quand David il est arrivé, il y avait la moitié des trucs remplis. C'est pas facile, honnêtement, c'est pas facile. David, tu vas en parler mieux que moi. Gérer un rayon, c'est plus que ça en a l'air. Alors, gérer un rayon, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pas mal de difficultés. Il faut avant tout connaître les sorties. Il faut savoir commander, tout simplement. Et... Après, il y a un timing, il y a une organisation surtout à faire. Et toi, malheureusement, c'est pas que tu n'as pas eu l'organisation. Tu t'es investi, mais tu as été seul. Auparavant, tu étais parti au surgelé. Surgelé, bon, c'est bien passé. On t'a accompagné, on t'a appris des choses. Qu'est-ce que tu penses lorsque tu vois un stagiaire débarquer ? Ben moi, j'aime bien. Moi, enfin, tout particulièrement, moi, j'ai pas l'opportunité avec toi. Mais t'en as eu pas mal avant toi. Et moi, je suis tombé sur des farfelus, je suis tombé sur des gens carrés, des gens qui écoutaient, des mecs qui avaient la flemme de venir tout simplement. Mais j'aime bien faire cette démarche, j'aime bien accompagner et montrer surtout, montrer ce qu'on fait, même si c'est pas un taf de malade quoi. Mais voilà, j'aime bien partager, surtout partager. Enfin, si quelqu'un est à l'écoute, je fonce et je partage. Enfin, j'essaye de faire le meilleur, tout simplement. Ouais, génial. Je te remercie en tout cas, David, du temps que tu m'as accordé. Problème, hein, y a pas de problème. Hein. Allez, à bientôt.
Alors là, on va être sur une réimplantation. On est sur le rayon grignotage. Je suis en compagnie du directeur de Super U, Monsieur Segond. Oui, bonjour. Donc au niveau de l'implantation, ce qu'on attend d'une implantation en général, c'est déjà se mettre à la place du client, ce que recherche le client. Donc il y a une notion d'assortiment qu'il faut avoir. Après, faire attention de bien les choisir, parce qu'on a une certaine place et on ne peut pas forcément tout implanter. Donc pour choisir les références au niveau de l'implantation, tu as donc eu un palmarès des ventes qui te permet de savoir exactement les produits que tu dois continuer à détenir. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point aussi, à un moment donné, on n'est pas philanthrope. Hein, notre but aussi, c'est de faire tourner l'entreprise. C'est donc de faire un état au niveau de la marge que chaque produit dégage. Et donc l'implantation à la marge est aussi quelque chose d'important. Donc ce qui te sera demandé aujourd'hui, effectivement, c'est de bien choisir les produits qu'on va continuer et de bien les implanter. Donc voilà. On a aussi une certaine harmonie qui doit se dégager du rayon, c'est-à-dire on ne doit pas mettre n'importe quoi à côté de n'importe quoi. Bien sûr, y a des règles de famille bien sûr à respecter. Combien de temps à peu près on met pour une réimplantation, ça prend combien de temps? Alors après, ça dépend de l'importance du recadrage. Si c'est un recadrage où tu vides complètement le rayon et que tu bouges tout, ça peut être toute une nuit. Après, si c'est juste une intégration de nouveaux produits et une petite intégration, il y en a pour 2 heures, entre 2 et 3 heures. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu nous sortiras comme projet, à savoir si c'est un projet très global ou au contraire, on a bien fait notre travail. À partir de quand on peut se dire, voilà, le travail qui a été fait, c'est un bon travail, ou le travail qu'on a fait, on n'a pas été bon, il y a des choses à revoir? Il y a deux. Il y a un état, on va dire, de chiffres, d'analyse en tant que gestionnaire. Donc tu vas sortir tes états avant, après. Donc au niveau de ta marge et de ton chiffre. Ça, c'est le premier facteur. Bon, à mettre un bémol, parce que les gâteaux apéritifs, on est quand même sur un produit où la saisonnalité joue beaucoup. Donc si tu as un tournoi, une Coupe du Monde de foot par exemple, ou les Pringles vont partir vite. Exactement. Ou un soleil dehors, il faut faire attention. Et les clients aussi. Hein. Si effectivement tu es en train de faire ton rayon, le client vient de voir, il dit « Ah, c'est où ?» C'est que... Bon, je vous remercie en tout cas. Avec plaisir. Et puis l'analyse. Hein. Ouais, le travail sera fait, voilà. Allez, on est parti, nous. Je vais aller dans la gestion de l'assortiment. C'est là où je vais pouvoir définir les produits intéressants. On va faire une création simplifiée de ces produits. On va mettre le mois dernier, le 5 mai 2015. On a beaucoup d'éléments donc à réimplanter. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut vraiment déterminer la marge commerciale de chaque produit, ce que le magasin va gagner en vendant ses produits, en les achetant au préalable. Et puis après, c'est les sorties, combien le magasin va sortir de produits par jour. Et les conditionnements aussi, c'est combien le magasin va recevoir en termes de colis. Par exemple, dans un colis, il y aura 8 produits, il y aura une dizaine de produits. Il faut faire attention à tout ce qui est profondeur des rayons. On va vraiment tenir compte aussi de l'harmonie des produits. On ne va pas mettre n'importe quel produit à côté de n'importe quel. Ce qui est vraiment décisif, c'est d'être efficace. Voilà, là j'ai déjà commencé. C'est se dire, voilà, là, ici j'ai n'importe quel type de produit, c'est pas du tout rangé. Mais ici, dans tout ce que j'ai écrit, c'est par famille. J'ai noté tous les chiffres les plus importants, le nombre d'articles vendus par mois, le chiffre d'affaires gagné par l'entreprise, le taux de marge commerciale et la marge commerciale du produit en lui-même. Salut Christophe, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, on est dans un rayon un peu spécial. On est où? Rayon du vin, qui est au même titre que la poissonnerie, boucherie, fromagerie, un rayon métier, qui demande des spécificités, une certaine spécificité dans les connaissances, œnologie, connaissances produits, région et diverses connaissances autres. Donc selon notre clientèle, on va adapter les produits, les facings et les mises en avant. Parfait. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je souhaite devenir un manager plus tard. Quelles sont les qualités, d'après toi, pour encadrer une équipe? J'imagine plutôt 4-5 personnes. Alors, avoir les crocs, il faut avoir faim. Il faut avoir faim, il faut aimer ce qu'on fait. Parce que déjà, si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est très difficile. Ça l'est même quand tu aimes ce que tu fais. Il faut savoir être humain. C'est un peu l'histoire de la main de fer dans un grand velours. Il faut garder le côté humain tout en étant... tout en sachant qu'on a des responsabilités, qu'on a des obligations de résultats, chiffres, marges, on est le moteur.
On doit dynamiser, comme tu dis, mais aussi fédérer, c'est important. Et au niveau des horaires, du coup, j'imagine que vous en faites plus que les autres. J'ai arrêté de compter.